الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه مخلصا من قلبه دخل الجنة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: celui qui dit la ilaha illallah sincèrement avec son cœur, alors il entrera au paradis. Cette parole, ce n'est pas le fait de dire la ilaha illallah qui est important dans ce hadith, mais c'est la deuxième partie du hadith. Celui qui l'a dit sincèrement avec son cœur. Je peux dire à ma mère que je l'aime tous les jours, mais tant que je ne fais pas de démonstration d'affection, cette parole restera vaine. C'est la démonstration d'affection qui va venir confirmer mes propos. De même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné innamal a'malu bin niyyat, les actes ne valent que par les intentions. Ainsi, c'est avec l'intention sincère et c'est le départ de la motivation. L'intention sincère, elle va marquer le départ de la motivation, celle qui va me pousser à faire des actes, qui va me pousser à agir. Donc celui qui dit « La ilaha illallah » et qui est sincère dans son cœur, alors forcément, ses actes vont revêtir une importance et vont être acceptés par Allah Azza wa Jalla. C'est la première condition d'acceptation des œuvres, c'est la sincérité. Il y a un homme qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Ya Rasulullah, adnabtu dhanban kabiran » J'ai commis un grand péché. Et le prophète Mohammed l'écoute attentivement. Et l'homme dit Halli min tawba, est-ce que j'ai le moyen de me repentir après ce péché que j'ai commis? Le prophète ne lui demande pas la nature du péché, il ne lui demande pas ce qu'il a fait. Il lui dit simplement est-ce que tu as tes parents en vie? L'homme il dit non, ils sont décédés. Il dit est-ce que tu as une tante maternelle? Il dit oui. Il dit sois bienfaisant envers elle. C'est-à-dire qu'ici, la concrétisation de l'intention de cette personne, sa sincérité, elle va se matérialiser dans les actes, dans le fait d'être bienveillant envers sa tante maternelle. Si vraiment tu regrettes, si sincèrement tu aimes Allah et tu te repens, tu regrettes de ne pas avoir obéi à Allah ou d'avoir fait un mal, alors maintenant change. Si tu es sincère, tu changes et tu fais le bien. Et le meilleur des biens, c'est d'être bienveillant envers sa famille. Il y a un homme dont le prophète nous a raconté l'histoire. Il nous a dit que cet homme-là a tué 99 personnes. Et après 99 personnes, il recherche une repentance. Il a un remords, il a un regret. Et là, il va voir un érudit et il lui demande « Est-ce que Dieu peut m'accorder son repentir? Est-ce que Dieu peut me pardonner ces meurtres que j'ai commis ?» Alors l'érudit lui dit non, Dieu ne te pardonnera jamais. Cet homme-là, pris de colère, tue cette personne-là, ce qui fait 100 personnes. Et malgré tout, il cherche encore à se repentir. Alors, il trouve une personne des gens du livre. Et il lui demande, il lui dit, est-ce que Dieu peut accueillir mon repentir? Et cet érudit des gens du livre, il lui dit oui, Dieu peut pardonner à qui il veut. À partir du moment où tu es sincère, tu veux vraiment que Dieu te pardonne, tu veux vraiment changer, alors il faut que tu agisses. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu dois quitter cet endroit, cette terre sur laquelle tu as commis cette turpitude, et tu dois te diriger vers une terre où tu vas changer, tu vas modifier ton comportement, tu vas vers une terre où on adore Allah Azza wa Jal, où les gens sont pieux. Et donc il lui indique une ville dans laquelle il y a donc un établissement dans lequel les gens adorent Allah Azza wa Jal. Et donc par cette sincérité là, il va aller vers Allah Azza wa Jal. Il va aller vers cette ville, il veut changer de vie, il veut changer parce que sincèrement dans son cœur, il veut revenir vers Allah Azza wa Jal. Mais sur le chemin, l'ange de la mort lui prend la vie. Sur ordre d'Allah Azza wa Jal. Il meurt. Et son corps est entre l'endroit qu'il avait quitté et l'endroit où il voulait aller. Et là, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se précipitent.
Les anges du châtiment réclament le corps, réclament l'âme, parce que cet homme-là a tué 99 personnes, 100 personnes. Et les anges de la miséricorde le réclament, parce qu'ils disent qu'il a voulu se repentir sincèrement. Il était sur une ère de changement. Et donc Allah Azzawajal envoie l'ange Gabriel pour juger entre les deux parties. Et l'ange Gabriel dit, voilà, s'il était plus proche de la terre qu'il voulait atteindre, alors il part avec les anges de la miséricorde. Mais s'il est plus proche de la terre sur laquelle il a commis les turpitudes, alors il partira avec les anges du châtiment. Mais le corps est pile au milieu. Et Allah Azzawajal, par sa grande miséricorde, fait trembler la terre. Et son corps penche vers la terre qu'il voulait atteindre. Les anges de la miséricorde l'emmènent alors. Cet homme-là, il avait la sincérité de changer. Il était sincère. Alors Allah Azzawajal a accepté son œuvre. La première condition qui fait que nos œuvres seront acceptées par Allah Azzawajal, c'est la sincérité. Parce que celui qui est sincère, alors il fera les choses de la meilleure façon pour aller au paradis. Il sera motivé. Il veut Allah Azzawajal. Il veut aller au paradis. Alors que celui qui dit avec sa langue, mais qui n'agit pas, qui reste dans l'immobilisme, alors il n'a pas prouvé cette sincérité. Sa parole reste vaine. Et bien souvent, nous avons beaucoup de paroles bienveillantes. Nous voulons changer, mais nous avons peu d'actions. C'est pour ça qu'il faut commencer par des actions minimes, des petites actions, comme quelques jours de jeûne, quelques prières, quelques sadaqat, pour commencer à cheminer vers Allah Azzawajal. Et c'est la sincérité qu'on va mettre dans ce peu d'actions qui vont petit à petit nous faire revenir vers Allah Azzawajal. Et la sincérité dans les actions, on peut être le plus grand adorateur de Dieu et ne pas trouver l'acceptation de nos œuvres. Et on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc c'est la sincérité qui nous fait rentrer au paradis. C'est pour ça que je vous demande à tous d'être sincères et de parfaire vos intentions afin qu'Allah accepte vos œuvres. وبارك الله فيكم بحسن استماعكم